moi c'est Milo, mon artiste c'est Milo Project. Et donc moi à la base je viens plus de l'illustration et du dessin. Et ça fait maintenant 6-7 ans que je fais des installations dans la rue. Voilà, ça s'appelle de l'art urbain et voilà, je fais ça depuis 6-7 ans maintenant. Je tourne autour d'un propos qui est souvent le même. En fait, j'essaye de réfléchir et de parler de l'équilibre qui se trouve entre le rêve et la réalité. Donc sous plein de formes différentes, j'ai pas de médias, je peux travailler du papier comme je le fais aujourd'hui. Mais ça peut être plein de matières différentes, mais j'essaye de partir d'une idée, de cette idée en tout cas, pour arriver au matériau. L'origami en fait c'est pas ma spécialité, il se trouve que le hasard des choses a fait que pour ce projet, le projet que je propose ici qui s'appelle Des Illusions, j'utilise cette technique, donc je suis pas spécialiste, je me suis renseigné, je me suis entraîné, j'essaye de faire des choses mais ça reste assez basique. Et donc pour ce projet en fait je fais des origamis mais en très grand format que j'installe dehors en fait. C'est le premier projet que je fais en Algérie et je suis très content d'être là. En fait, je me suis servi de l'origami sur ce projet parce que l'origami, pour moi, c'est l'enfance. Et je travaille là sur ce projet, sur la thématique de l'enfance. C'est des avions en papier, des bateaux, des cocottes. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la simplicité et un peu la naïveté de l'enfance. Quand j'étais petit, je pliais des papiers pour faire des avions et qui s'envolent. J'ai pas vraiment de message, en fait. Moi je l'utilise pour parler de quelque chose, j'ai un propos et je me sers de l'origami pour arriver à ce propos. Après l'origami je sais que c'est très très riche, il y a beaucoup de choses à faire, c'est très intéressant et voilà, j'ai pas vraiment de conseils à donner mais allez-y, c'est cool. Moi je viens de Paris, je suis beaucoup allé à la Nuit Blanche à Paris, j'ai vu beaucoup d'artistes, beaucoup d'œuvres très intéressantes. Du coup je suis très content d'être là pour la Nuit Blanche en Algérie. Et c'est un super projet, ça permet aux gens de découvrir plein d'œuvres, plein d'artistes dans plein de domaines différents. Et du coup, c'est une super initiative. C'est une première pour moi ici, je suis super content d'être là. Et ça permet de découvrir la ville, voir un petit peu l'ambiance. Pourquoi pas, j'aimerais bien, mais pour l'instant, j'ai rien de prévu en Algérie. À vrai dire, je connaissais pas du tout cette ville, j'étais très curieux de venir en Algérie depuis longtemps, donc là c'était une occasion. J'ai pas eu encore le temps de beaucoup visiter, je me suis un peu baladé dans les rues, donc j'ai pu un peu ressentir, mais encore pas grand chose pour en dire quelque chose de concret et d'intéressant. Et voilà, moi la seule référence que j'ai dans le Maghreb, je connais bien la Tunisie, et du coup je cherche un peu des liens et voilà, mais pour l'instant je connais pas encore assez l'Algérie, en tout cas Oran, mais ça me fait une bonne impression en tout cas. J'aime beaucoup cette ville. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, l'accueil est super, et voilà, merci.